Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit item Pokémon. Bon, alors je pense que vous avez déjà dû les voir pour ceux qui collectionnent Pokémon. Vous devez connaître si il y a la Pokéball, l'Hyper Ball, la Master Ball, la Super Ball, voilà tout ça. Et il y a la nouvelle qui est sortie, la Niveau Ball. Bon, moi j'avais encore ouvert aucune de ces balls. Pour une simple raison, c'était les boosters qui étaient à l'intérieur ne m'intéressaient pas. Parce que du évolution, même si ça cote un peu, ça m'intéresse pas. Le Invasion Carmin, ça m'intéresse pas non plus. Gardien Ascendant et puis Ombre Ardente, j'en ai trop ouvert. Donc ça m'intéressait pas d'avoir ces balls. Pour plus, je les trouvais pas belles. Vous êtes en plastique et tout ça. Donc celle-là, elle est un peu plus elle fait style métal, vraiment plus sympa. Et parce que j'ai vu que là-dedans, il peut y avoir des boosters intéressants. Alors j'espère que je vais avoir cela. Cela, ce que j'ai vu des vidéos de Guillaume et Kim, pour ceux qui connaissent et qui suivent, ils ont ouvert beaucoup de ces balls et ils ont eu des boosters intéressants comme du Éclipse Cosmique, qui m'intéresse beaucoup. Ils ont eu du Tonnerre Perdu, dans un, ils ont eu du Tempête Céleste et ils ont eu du Ultra Prisme. Bon, ça peut m'intéresser. Alors, j'espère que je vais avoir quelque chose d'intéressant. Donc, je vous la montre. Voilà. Moi, comme je suis en Suisse, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai pris à la Fnac au prix de 27,90 francs, ce qui revient à peu près à 20. 8,50, 29 à peu près dans ces prix-là. Voilà pour cette explication. Donc maintenant, on va s'ouvrir ça. On espère avoir de bons petits boosters. Un Éclipse Cosmique me dirait bien du Tonnerre Perdu ou du Tempête Céleste. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Allez. Parce qu'il y a même. Il n'y a même pas moyen de savoir. Avec les autres balls, on pouvait savoir par rapport au code barre, on savait s'il y avait du évolution ou pas. Mais là, un peu compliqué. Tiens, ils sont intelligents. Ils ont mis. Voilà. Bon, elle est un petit peu cacabossée, mais bon, c'est la dernière qui restait. Parce que en Suisse, surtout à Genève, c'est hyper compliqué de trouver des items Pokémon. Alors, dès qu'on en trouve, il faut précipiter dessus. Bon, bah, par contre, elle est compliquée à ouvrir. Ah, je vais vous l'ouvrir comme ça ici. Qu'est-ce que c'est que ce bol? Allez. Ah. Eh ben, c'est hyper compliqué à ouvrir. Eh ben. J'ai transpiré pour l'ouvrir. Bon, alors il y a trois boosters et un jeton. Bon, le jeton, j'espère que c'est pas du Manaphy, que ce soit quelque chose que je n'ai pas. Ah, Mew. Ah, super. Ça tombe bien. Je ne l'ai pas. Donc il va s'ajouter à ma collection. Voilà le petit Mew. Et on a trois boosters. Alors, on va mettre ça de côté. Hop. On a Ultra Prisme avec Necrozma, Eldolor. Eclipse Cosmique. Ça, c'est super avec. Tiplouf et Tortank. Et ah, Tempête Céleste. Avec Amahama. Bon. Super. Alors, je vais commencer par Ultra Prisme. Bon, par contre, l'état des boosters. Alors, dans Ultra Prisme, qu'est-ce qu'on peut espérer d'intéressant? Bon, il y a des prismes. Une qui me plairait bien, c'est la Philali. Que ce soit en normal ou en rainbow. J'aimerais tellement la voir celle-là, ce serait mon Graal. Alors le code, hop, 1, 2, 3 et 4. Allez, s'il te plaît, un bon petit bout. Il y a trois boosters, on n'espère pas grand-chose, mais on espère quand même quelque chose. Alors, c'est parti avec une énergie électrique. On a le trèfle manquant, Mustéflotte, Chaffreux. Mustéboué. Evoli avec ses copains Evoli derrière. Tritox. On a Tortipousse. Riolu. En reverse, on aura Corbosse. Et en rare, nous aurons Blizzaroi. Bon. Et ben rien de fou 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 fou, hein, franchement. Bon, fallait pas s'attendre à grand chose avec un booster, hein, faut dire.
Tempête céleste. Alors là, il y a le Rayquaza dans celui-là, qui serait sympa. Là, ça fait un petit. J'en ai pas ouvert des masses, des masses, des masses. Parce que moi, je m'amuse pas à acheter 50 fois les mêmes items. Une fois que j'achète une fois. Voilà, bref. Les boosters à l'unité de temps en temps. Et voilà. Puis comme c'est une série qui s'est bien vendue, donc on n'en trouve pas beaucoup de ces items. Quand j'en trouve dans les coffrets, des choses comme ça, enfin voilà. Alors, on continue avec une énergie. On a énergie multicolore. Rose Abyss. Pifeuille, Grenipio, Skitty, Rattata d'Alola, Poussifeu, Meditica, Arco en reverse, ou non, une rainbow. Ah, génial! On a un bras net GX. Génial. Bon, j'ai oublié de prendre les sleeves, donc on va la mettre sur le côté sans l'abîmer. Génial. Ah ben, je vais quand même vous la montrer un peu mieux que ça. Bon, c'est pas le Pokémon de Foufou, hein, mais c'est une secrète. Alors, pour savoir pourquoi c'est une secrète, parce que le premier numéro dépasse le deuxième numéro. Parce que dans la série, il y a 168 cartes. Et comme ça dépasse, donc c'est une secrète. Il y a la petite étoile argentée et les rainbows. Et c'est une full art. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? Eh ben, voilà. Moi, j'aurais préféré avoir la Rayquaza, mais enfin, Branette GX, je ne dis pas non. Hein. Maintenant, dans l'éclipse cosmique. Alors là, il y a. Si je me trompe pas, il doit y avoir. Il doit y avoir Dracaufeu, si je ne me trompe pas, là-dedans. Donc, ça serait bien. Il y a encore des secrètes. Il y a le secret avec Pikachu. Enfin, il y a tout un tas de belles cartes dans cette série. C'est une série qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Donc. Ouh là là, par contre le booster, il est mort. Hein. Eh ben j'ai massacré le booster. Allez. Eh ben. D'habitude j'essaie de faire un peu attention, mais là j'ai massacré le booster complet. Les amis. Allez. 1, 2, 3 et 4. Allez, encore une bonne carte là-dedans, ça serait super. Déjà, c'est une bonne ouverture. Allez, énergie. Poké Poupée de Lily. Alors, celle-là, elle existe, je crois, c'est en gold. Alors, ça, j'aimerais bien la voir. Dracozélite, Dracogriffe. Tarambule. Ah, pourquoi j'en prends deux à la fois? Tarinor. Stalgamin. Allez, Rocabo, Vivaldin, Teddy Ursa, en reverse nous avons Type 0, et en rare, peut-être une holo, même pas, Lacmessigne. Alors ça, Lacmessigne, ben non. Bon, les amis. Sur trois boosters, c'est pas mal du tout. Hein. Il y en a eu une secrète. Hein. Alors, je vais vous montrer les reverse. Alors, pour Eclipse Cosmique, on a eu Type 0. Tempête Céleste, on a eu Arco. Et pour Ultra Prisme, on a eu Corbosse, qui est super joli. En rare, on aurait eu pour Eclipse Cosmique Lacmessigne. Bizarroi pour Ultra Prisme et bien sûr la meilleure de toutes les cartes, Branette GX. Super, je suis hyper content, j'ai bien fait de l'acheter. Voilà. Donc les amis, je vous remonte le petit jeton, voilà, avec le petit Mew que je vais ajouter à ma collection. Donc les amis, on se laisse ici pour cette vidéo. Si vous avez ouvert aussi les nouvelles Pokéballs, les niveaux Ball, dites-moi ce que vous avez eu comme booster, j'aimerais bien savoir. Si vous avez une bonne pioche, bah dites-moi ce que vous avez eu comme pioche. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un commentaire. Et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao, 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 ciao.